Salut Tristan, salut Zach. Salut. Salut. Tu as fait un beau vol? Oui. Ouais. Vous avez eu peur, je suis sûr de non. ça. Non, non. Ah, on joue au brave, là. On n'a pas eu peur, moi j'ai pas le vertige. Ah, t'as pas le vertige? Lui, oui, en tout cas. T'as eu le vertige, toi? Non, j'ai le vertige souvent, mais là, j'ai pas eu le vertige. En avion, c'est pas pareil comme monter dans un immeuble. Qu'est-ce que vous avez remarqué du haut du ciel? Il y a beaucoup de piscines. Ouais. Les gens se baignent beaucoup? Non, il y a pas grand monde qui se baignait, mais il y a juste beaucoup de piscines. Ouais, c'est vrai. Les voitures aussi, le monde est plus petit, hein? Ouais. Ouais. C'est direct, nous, on est des géants, puis les autres sont tout petits. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce vol-là? La machine, est-ce que ça vole ben, bien? C'est ça? Voir en bas. C'est de voir en bas, hein? Ouais. C'est d'avoir l'impression qu'on est des oiseaux, quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que ça vous donne le goût de devenir, je sais pas, sans nécessairement devenir des pilotes professionnels, mais devenir, je sais pas, pilote à un moment donné privé, avoir votre avion? Ouais. À l'école, est-ce qu'on vous enseigne un petit peu les rudiments de l'aviation? Est-ce que vous en parlez? Ben, il y a un ingénieur qui m'avait déjà parlé comment que ça faisait pour voler, mais non. OK. On n'a même plus le droit de jouer au ballon chasseur. C'est vrai. Ouais. Si tu veux savoir pourquoi ça vole un avion, quand tu fais couler le robinet, tu mets une cuillère dans l'eau. La cuillère, elle rentre dans l'eau, hein? Hein? Ben, c'est la même chose. Ça, on appelle ça la dépression atmosphérique. Bon, ben, merci les gars. Bye-bye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le pilote et vous êtes des copilotes, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Ben moi c'était la première fois, j'étais jamais montée en avion avant, j'étais déjà, tu sais, je savais comment c'était à l'intérieur puis tout, mais j'avais jamais volé comme tel. Puis j'étais un petit peu nerveuse, tu sais, j'ai peur des hauteurs, mais ouais, ça a bien été, ça a bien été. Ouais. C'est la ronde. Ils ont vu la ronde de haut. Vu la ronde, oui. Pas beaucoup de monde aujourd'hui, on peut peut-être y aller. C'est différent que de monter dans un édifice en avion, hein. on sent plus léger un peu, non? Ouais, ben il y a comme un feeling d'apesanteur un petit peu, là, ouais. quand on bouge, là, c'est particulier. Toi, tu veux-tu devenir... est-ce que ça vous donne le goût de devenir des pilotes d'avion? Ben, je sais pas, là, c'est... Je sais pas. Pourquoi pas? On pourrait essayer, là. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ton vol? Ben, c'est le fun, parce que tu voyais tout petit, donc tu voyais... Est-ce que vous allez répéter l'expérience? Sûrement, oui. J'espère. Vous, monsieur le pilote, est-ce qu'il y avait des inquiétudes à bord? Est-ce que les enfants ont démontré des inquiétudes? Du délai pour décoller, là, c'est un petit peu chaud, mais à part de ça, c'est super. Il faisait chaud dans le cockpit un peu. Pas mal. On a les portes ouvertes quand on roulait en taxi. Hein? Ah ouais, pas en plein vol? Non, non. On roule la fenêtre de temps en temps. Merci beaucoup. Puis, ben, je vous souhaite de refaire l'expérience. Noémie, Catherine et Cédric, ton nom, c'est ça. Allez, ben, écoutez, merci beaucoup. Merci. Gabriel et Eva, bonjour. 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 Vous avez fait un beau vol? Oui, c'était super. Ouais. C'est un peu à ciel ouvert, hein, cet avion-là. C'est un peu comme décapotable. Est-ce que vous aviez les cheveux au vent, comme on voit dans les films romantiques? Là? Plutôt. Oui? Ouais, je ne vous dis pas les nœuds qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous retenez de ce vol? Vous avez vu Montréal, là? Vous avez vu une partie de Montréal, évidemment, un vol d'oiseau, c'est un peu ça, là? Oui, oui, on a bien vu Montréal, tous les immeubles et tout ça, c'était super beau. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça qui se font en France? Je sais pas trop. J'en ai jamais fait en tout cas. C'est la première fois pour moi, mais. Moi non plus, je sais pas. Est-ce que ça vous donne le goût de devenir, je sais pas, peut-être pas pilote, mais peut-être d'apprendre à piloter à un moment donné, non? Ouais, moi je pense, moi ça me plairait bien, je pense. Ouais. Ouais, je voudrais bien essayer un jour. Bon, excellent. Hein? Merci beaucoup. Et puis, ben, bienvenue chez nous aussi en même temps. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour tout le monde! Salut! Bonjour. Est-ce que vous avez aimé votre vol? Oui! Est-ce que vous avez eu peur? Non! Est-ce que vous voulez devenir un pilote d'avion? Oui! Ah, oui! Alors, ça... Oui! Moi je veux aussi! Toi aussi! C'est la première fois monter dans un avion comme ça? Non, deux! Deux? Je l'ai fait bientôt! Ah, c'est vrai? C'est ton deuxième vol? Oui, aujourd'hui? Moi aussi! Eh bien, ah, c'est une vraie maladie ça, hein, quand ça nous prend. Hein? Bon, ben, est-ce que vous allez répéter l'expérience encore? D'accord. OK, merci. Bye-bye.
Bon vol! Capitaine P. Brossard, Capitaine L. Grenier. Vous êtes deux capitaines. C'est une copropriété. C'est quoi comme type d'appareil? C'est quoi comme avion ça? Alors, c'est un Waco, un 1934, et, la compagnie War Airplane Company of America. Et... Bonjour, monsieur. Bonjour. Premièrement, quel est votre nom? Louis Grenier. Monsieur Grenier, vous avez un appareil, c'est à vous cet appareil-là? Oui, oui. Un 1934. Un peu plus vieux que moi. Un peu plus vieux que vous, mais dites-moi, un avion, c'est jamais vieux, finalement. Hein? Non, un avion, on peut toujours le refaire, l'entretenir, les garder en ordre de vol. Ouais. Surtout, ben, on dit que c'est un 1934, mais disons, il a tout été rebâti en 1982. Dites-moi, pour rebâtir un appareil comme celui-là, ça doit coûter relativement cher, non? Il y a beaucoup de gens qui vont le faire eux-mêmes, soit dans la loi de la construction amateur, ou soit qui vont le faire eux-mêmes aussi. Puis à ce moment-là, c'est juste les matériaux et des milliers d'heures, milliers d'heures de travail. Voilà. Ah, pour ça, j'imagine qu'il faut le faire homologuer par Transport Canada avant de prendre le vol? C'est ça, ouais. Ouais. Tous les travaux doivent être homologués par Transport Canada. Même à l'intérieur de la construction amateur, il y a une homologation qui suit aussi avec des inspecteurs. Ouais. Au fur et à mesure. Dans le work in progress, là, c'est oui, c'est ça. Dans le work in progress, ils viennent avant, ils viennent après, ils viennent en pré-approbation dans la construction amateur. Mais ça, c'est pas une construction amateur. Lui, il est certifié comme sa certification de 1930. D'origine, finalement. Oui. Ça, c'est un avion de guerre? C'est un ancien avion de guerre, ça? Non, c'est un avion pour la fille du président de cette compagnie-là qui faisait des gros avions. Ah oui, c'est vrai. Puis il a fait un avion pour elle, un avion de Playboy, un avion avec la tête sortie dans le vent. Puis la fille a bien aimé ça. On a de la compétition dans le bruit, mais c'est pas grave. Il y a combien d'heures d'autonomie de vol, cet appareil-là?
Pas beaucoup celui-là, je dirais 3h30, 4h, quelque chose comme ça. Il n'y a pas une énorme autonomie de vol. Puis il ne va pas très vite. Non. Il va à la vitesse d'une voiture, là, peut-être 140 km à l'heure. Ouais. C'est une très, très belle machine. Et au niveau de l'instrumentation, on retrouve à peu près la même chose que dans un autre appareil d'avion. Oui, c'est ça. Vous avez des classifications. Hein? Vous pouvez voler de jour, vous avez des instruments volés nuit, ou vous avez des instruments volés aux instruments. Voler aux instruments dans les nuages. Alors, lui, il est classé de nuit. Il n'est pas classé aux instruments. Ben, merci, monsieur. C'est une belle machine. Les jeunes ont apprécié le vol avec vous, là, oui? Ben, j'espère, oui. Ils ont eu l'air d'apprécier. Puis si ça peut développer chez eux une passion, c'est quand même... l'aviation est quand même quelque chose qui demande une certaine discipline. Faut étudier, faut passer son cours. Puis ça pardonne pas, on est obligé de suivre les règles, sinon ça vole pas. Alors, c'est une belle discipline pour les gens. Merci, monsieur. Merci, au revoir.